Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. La religion chrétienne est une chaîne d'or qui enlace le cœur de l'homme et le rend inaccessible à la haine. L'esprit de Christ est un esprit d'amour. Partout où Christ règne, là règne aussi l'amour. Il n'est permis aux chrétiens de haïr personne. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. Tel est le langage du Maître. À moins qu'il ne soit pris dans un sens unique, dans le sens que lui donnent les paroles de mon texte, le mot haïr doit être rayé du vocabulaire chrétien. Tu n'as le droit aux disciples de Christ de tolérer dans ton sein aucun sentiment d'inimitié, de rancune, de malice, d'aigreur ou de malveillance, envers aucune créature que la main de Dieu a formée. Tout en haïssant les péchés d'un homme, souviens-toi que tu ne dois point le haïr lui-même, mais que comme Christ a aimé les pécheurs, ainsi tu dois les aimer. Tout en détestant les fausses doctrines, souviens-toi que tu dois aimer celui qui les professe. Bien plus, tu es tenu de haïr l'hérésie par amour pour l'âme de l'hérétique, et avec l'ardent désir qu'il revienne de son égarement. Non, tu n'as le droit de haïr personne, pas même les êtres les plus dégradés et les plus avilis, pas même ceux qui irritent ton humeur, nuisent à ta fortune ou portent atteinte à ta réputation. Et pourtant, la haine, on ne saurait le nier, est une puissance de l'âme humaine. Or, pour ma part, je crois fermement que toutes les puissances de nos âmes nous ont été données par le Créateur afin que nous les exercions. Et qu'il n'en est aucune dont nous ne puissions faire un légitime usage. Il est possible de se mettre en colère et cependant de ne point pécher. Il est possible également d'éprouver de la haine non seulement sans offenser Dieu, mais en accomplissant un devoir positif. Oui, tu peux haïr aux chrétiens à condition que ta haine se concentre sur un seul objet. Alors, bien loin d'être répréhensible, elle sera au contraire digne de louange. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Autant le vindicatif est son ennemi, autant tu peux haïr la corruption de ton cœur. Autant de cruels despotes en guerre l'un contre l'autre se haïssent mutuellement, autant tu peux abhorrer tes ennemis spirituels. Autant l'enfer est le ciel et le ciel l'enfer, autant il t'est permis de détester le mal. Cette passion de la haine, qui dans son état de nature ressemble à un lion furieux altéré de sang, tu dois la dompter et t'en rendre maître, jusqu'à ce qu'elle devienne à l'égard de tes semblables comme un noble lion qui a perdu ses instincts féroces. Mais tu peux et tu dois la laisser assouvir toute sa fureur sur le grand ennemi de l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire sur le péché. Montrez-moi un homme qui ne se mette jamais en colère. Cet homme, je vous l'affirme, n'est point animé d'un zèle véritable pour le Seigneur. Il est beau que nous soyons parfois en colère contre le péché. Quand nous nous trouvons en présence du vice, nous devons être irrités contre lui, quoique pleins de charité envers ceux qui le commettent. L'iniquité sous toutes ses formes doit toujours nous être odieuse. David ne s'écrit-il point après avoir énuméré les crimes qu'il voyait autour de lui Je les ai haïs d'une parfaite haine, je les tiens pour mes ennemis. Nous devons aimer nos propres ennemis, mais haïr les ennemis de Dieu. Aimer l'âme pécheresse, mais haïr son péché. Autant qu'il est en la puissance de l'homme de haïr, ainsi devons-nous haïr le mal, quel qu'il soit, et sous quelque aspect qu'il se présente à nous. Ceci nous amène à observer le caractère absolu de mon texte. Il s'adresse à tous les enfants de Dieu et il embrasse non tel ou tel péché particulier, mais le mal dans son ensemble. On a dit, vous le savez, de certains prétendus dévots, qu'ils rachetaient leur propre faiblesse en condamnant sans miséricorde celle du prochain. Cela est vrai pour beaucoup de gens. Plus d'un de mes auditeurs, je n'en doute pas, considère les autres comme très coupables parce qu'ils commettent des péchés que lui-même ne se soucie pas de commettre, tandis qu'il se montre plein d'indulgence à l'endroit de ses propres défauts. Ô chrétien, souviens-toi que nul mauvais penchant, nulle habitude coupable, ne doit trouver grâce devant tes yeux. Ne tends jamais au mal une main bienveillante, ne le touche qu'avec un gantelet d'acier. Ne parle jamais de lui avec ménagement, mais hais-le partout et toujours. S'il vient à toi comme un petit renard, tiens-toi sur tes gardes. Autrement, il gâtera tes raisins. S'il fond sur toi comme un lion rugissant, cherchant à te dévorer, ou s'il avance traîtreusement comme l'ours, feignant de vouloir t'embrasser, frappe-le, car son attouchement est la mort, et son étreinte, la destruction. Tu dois combattre indistinctement tout péché de langue, de main ou de cœur. Qu'il soit doré par l'intérêt et le gain, ou voilé sous un semblant de moralité, qu'il soit adulé par les grands ou encensé par la foule, le mal doit toujours être de ta part l'objet d'une haine implacable, d'une haine de tous les instants et de tous les lieux. Oui, guerre à outrance, guerre à mort contre le péché, à toutes tes légions. Ô enfer, à tous tes rejetons, ô Satan, nous devons jurer une inimitié éternelle. Pas une seule convoitise ne doit être épargnée, mais contre le mal tout entier, nous devons poursuivre une guerre sans relâche, une guerre d'extermination. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. En essayant de traiter ce sujet, mes chers auditeurs, je me propose de diviser mes exhortations en deux parties. Premièrement, je vous dirai, haïssez le mal en vous-même. Et en second lieu, haïssez le mal chez autrui. Et d'abord, occupons-nous de ce qui nous touche de plus près. Chrétien, je dis, tu dois haïr le mal en toi-même. Et en vérité, tu as de bonnes raisons pour le haïr. Des raisons bien autrement puissantes que celles dont jamais opprimé a pu se servir pour excuser sa haine contre son oppresseur. Considère quel immense préjudice le péché t'a déjà causé. Oh, quel monde de misère n'a-t-il pas créé dans ton cœur C'est le péché qui avait plâtré tes yeux, en sorte que tu ne pouvais voir la beauté de ton Sauveur. C'est lui qui avait bouché tes oreilles, en sorte que tu ne pouvais entendre les douces invitations de Jésus. C'est le péché qui a guidé tes pas dans le sentier du mal et qui a rempli tes mains de souillure. C'est lui qui a empoisonné la source même de ta vie, qui a vicié ton cœur et l'a rendu rusé et désespérément malin par-dessus toute chose. Ô croyant, songe à ce que tu étais, alors que le péché régnait sur toi et que la grâce de Dieu ne t'avait pas encore renouvelé. Tu étais un enfant de colère comme les autres, tu courais avec la multitude pour mal faire. Ta bouche était un sépulcre ouvert, tu flattais de ta langue, et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui de tes semblables qui vivent loin de Dieu s'appliquait autrefois à toi. Chrétien, mes frères en la foi, j'en appelle à votre expérience. N'est-il pas vrai que vous ne différiez en rien du reste des hommes Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Oh! que de sujets n'avez-vous pas de haïr le mal Pour peu que vous regardiez au rocher duquel vous avez été taillé, et au creux de la carrière dont vous avez été tiré. Si grands étaient les ravages que le péché avait fait dans vos âmes, que ces âmes eussent été éternellement perdues si un tout puissant amour n'était intervenu pour les racheter. Enfant de Dieu, haïssez donc le mal. Il a été votre meurtrier, il a plongé le poignard dans votre cœur. Il a mis du poison dans votre bouche. Il a tout fait pour vous précipiter en enfer. Il vous a causé un tel dommage qu'une ruine éternelle en eût été l'inévitable conséquence sans la grâce du Seigneur Jésus. Voilà une première raison qui doit vous porter à haïr le mal. Vous devez encore le haïr aux disciples de Christ, vu le rang élevé que vous occupez dans le monde. Dans les veines d'un chrétien coule le sang royal de l'univers que les fils de mendiants errants, çà et là, déguenillés et les cheveux en désordre à la bonne heure, mais convient-il à des princes du sang de courir les rues comme de jeunes vagabonds Ne serait-ce pas, je le demande, un spectacle de la plus haute inconvenance que de voir les enfants d'un monarque vêtus de haillons et se vautrant dans la boue Et toi, chrétien, tu fais partie de l'aristocratie du ciel. Tu es un prince de sang royal, ami des anges, que dis-je Ami de Dieu lui-même, par respect pour ta haute position, et donc le mal en horreur. Souviens-toi que noblesse oblige. Tu es un Nazaréen consacré à Dieu, mis à part pour son service. Or, tu sais que la loi de Moïse défendait aux Nazaréens, sous peine d'être tenus pour souiller, non seulement de boire aucune liqueur faite avec du raisin, mais même de goûter à rien de tout ce que la vigne rapporte, depuis les pépins jusqu'à l'écorce. Ainsi dois-tu agir à l'égard du péché. Tu es le nazaréen du Seigneur. C'est pourquoi balance soigneusement le chemin de tes pieds. Évite jusqu'à l'apparence du mal. Détourne-toi de tout sentier oblique. Ce serait déroger à ta propre dignité que de marcher comme le commun des hommes. Tu n'es pas tel que les autres. Tu es de plus noble race. Ta généalogie remonte en ligne directe au Fils de Dieu, car celui-là même qui est le prince de paix est ton père de toute éternité. Je t'en conjure, ne déshonore donc pas le nom illustre que tu portes, et conduis-toi d'une manière digne de ta royale extraction. Tu fais partie de la race élue, du peuple acquis, de la nation sainte. Comment pourrais-tu donc souiller tes vêtements dans la fange de ce monde Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Un autre motif qui doit porter le croyant à haïr le péché, c'est que le péché l'affaiblit. Et voulez-vous des preuves Allez, quand vous avez commis quelque acte de désobéissance envers Dieu, allez dans votre cabinet et mettez-vous à genoux. Avant d'avoir péché, votre prière s'élevait, joyeuse et facile vers le Seigneur, et les bénédictions que vous lui demandiez descendaient sur vous, rapides comme l'éclair. Mais maintenant... Vos genoux sont relâchés et vos mains sont languissantes. Votre cœur est impuissant à désirer et votre langue se refuse à exprimer les faibles désirs que vous essayez de former. Vous cherchez la face de Dieu mais en vain. Vous gémissez mais le ciel semble fermé à votre cri. Vous pleurez mais vous sentez que vos larmes ne tombent point sur le sein de Dieu. Vous portez vos besoins devant le trône de grâce mais hélas, vous les remportez avec vous. Au lieu d'être pour vous le plus excellent, le plus doux des privilèges, la prière devient un pénible devoir. Tel est le résultat du péché. De deux choses l'une, ou le péché vous fera abandonner la prière, ou la prière vous fera abandonner le péché. Jamais, non jamais aux croyants, tu ne pourras être à la fois vaillant dans la prière et vaillant dans le péché. Aussi longtemps que tu caresseras un mauvais penchant, un interdit, une convoitise quelconque, la puissance de la prière te sera ôtée. Et quand tu chercheras à t'approcher de Dieu, tes lèvres seront fermées. Il en est de même pour l'activité extérieure. Après que tu as volontairement offensé ton Père céleste, va au milieu du monde et essaie de faire du bien. Tu n'en feras aucun, absolument aucun, te dis-je. Tu as perdu tout pouvoir d'aider les autres à se purifier, étant toi-même impur. Et quoi Je pourrais, avec des doigts souillés, laver le visage de mon prochain J'irai labourer le champ d'autrui, tandis que le mien est en jachère, et que les chardons et les ronces le couvrent Non, c'est impossible. La première condition pour faire du bien aux autres, c'est de ne pas souffrir de mal en soi. Un pasteur peu diligent a travaillé à sa propre sanctification sera toujours un pasteur peu béni dans son ministère et un chrétien infidèle sera toujours un chrétien stérile. C'est pourquoi, mon cher auditeur, à moins que tu ne souhaites que tes nerfs ne se relâchent et que la moelle de tes os ne se dessèche au-dedans de toi, à moins que tu ne désires que la sève de ta vie spirituelle ne tarisse dans sa source, je t'en supplie, et le péché car le péché peut tellement te débiliter et t'affaiblir, que ton âme deviendra un vrai squelette spirituel et qu'elle traînera une misérable existence au lieu de fleurir, joyeuse et prospère, dans les sentiers du Seigneur. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez-le encore, par la raison que si vous vous y complaisez, vous aurez à emporter la peine. Jamais Dieu ne mettra à mort ses enfants il a déposé pour toujours en ce qui les concerne l'épée de sa justice depuis l'heure mémorable où cette épée vengeresse s'enfonça tout entière dans le sein de jésus mais dieu a une verge il frappe de cette verge ses enfants rebelles tellement que parfois les oreilles leur en teintent. le seigneur ne sera jamais courroucé contre ses élus au point de les rejeter mais il peut l'être assez pour qu'ils aient lieu de s'écrier tout est perdu Guéris-moi, ô éternel, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Ah, vous connaissez sûrement la verge du Seigneur chrétien déchu, chrétien infidèle qui m'écoutait, car lorsque les brebis de Christ s'enfuient loin du berger, le berger ne les laisse point périr, mais il permet à l'épreuve et à la douleur de fondre sur elles, afin que meurtrie et haletante, elles retournent se réfugier dans son sein. Un véritable croyant, je le répète, ne sera jamais détruit, mais il peut tomber si bas qu'il se croira lui-même aux portes de l'enfer. La vie divine ne s'éteindra jamais complètement dans son âme, mais il peut se sentir tellement brisé et défaillant qu'il saura à peine s'il respire encore. Ô chrétien, je te le dis, à moins que tu ne recherches l'affliction et le mal. Si tu veux semer de ronces ton sentier et garnir d'épines ton lit de mort, alors vis dans le péché. Mais si au contraire tu désires que ton âme habite dès ici bas les lieux célestes et que ton cœur retentisse par avance des mélodies éternelles du paradis, alors marche jusqu'à la fin dans les voies de la sainteté. Oui chrétiens, mes frères, dans votre propre intérêt, haïssez le mal. Mais jusqu'à présent je ne vous ai présenté pour ainsi dire que des considérations égoïstes. Je vous ai exhorté à haïr le péché en vous signalant quelques-unes des funestes conséquences qui en résulteront pour vous. Maintenant, j'arrive à un argument d'un ordre plus relevé. Chrétien, vous dirai-je, haïssez le mal, haïssez-le en vous-même, parce qu'il fait du mal aux autres. Et d'abord, il en fait aux enfants de Dieu. Les infidélités d'un seul croyant nuisent à tout le corps de Christ. Les douleurs les plus cruelles qui assaillent l'Église de Dieu lui sont venues de ses propres enfants je la vois l'épouse de l'agneau je la vois qui s'avance couverte de boue et les vêtements déchirés ses mains sont ensanglantées et ses épaules couvertes de cicatrices ô oh, église du dieu-vivant toi la plus belle des femmes comment es-tu réduite à un si triste état d'où te viennent ces blessures qui t'a fait subir ces indignes traitements est-ce l'incrédule qui t'a craché au visage est-ce là rien qui a lacéré ta robe est ce le Sokinien qui a souillé de fange la blancheur de tes vêtements Sûrement c'est l'impie ou le profane qui a ainsi meurtri tes mains. J'entends sa réponse. Non, ces blessures m'ont été faites dans la maison de mes amis. Une secrète armure me met à l'abri des coups de mes adversaires mais contre mes ennemis, je suis sans défense. Leurs traits pénètrent jusqu'à mon cœur. Ah, malheur à vous, prétendu chef des armées de l'Éternel, indigne pasteur des troupeaux de Christ, disciple infidèle du Rédempteur. Malheur à vous, car vous faites plus de mal à l'Église que ne lui en ont jamais fait ses ennemis déclarés. Si le christianisme n'était point une religion divine, protégée par la puissance de Dieu, sans contredit, il aurait cessé d'exister, simplement à cause des misères et des inconséquences de ceux qui se réclament de son nom. Je ne m'étonne nullement pour ma part que l'église de Dieu ait survécu à la persécution et aux martyrs. Mais ce qui m'étonne, je l'avoue, c'est qu'elle ait survécu aux criantes infidélités, aux chutes scandaleuses de ses fils et de ses filles. Ô chrétiens, vous ne savez pas combien le nom de Dieu est blasphémé, combien vous affligez son corps et déshonorez son étendard lorsque vous commettez l'iniquité. Vous qui aimez l'éternel, haïssez donc le mal. Mais ne le haïssez pas seulement par amour pour l'Église, haïssez-le aussi par amour pour les pauvres pécheurs. Hélas, qui pourrait dire combien d'âmes inconverties sont éloignées chaque année de toute pensée sérieuse par la conduite des chrétiens Et n'avez-vous pas remarqué, mes chers auditeurs, quelle vive jouissance le monde éprouve à enregistrer les manquements de ceux qui font profession de piété pas plus tard qu'hier, je lisais sur un journal quelques lignes relatives à un misérable, traduit devant les tribunaux pour cause d'adultère, et le rédacteur de l'article remarquait plaisamment que cet homme avait un air de haute sainteté. Voilà bien, pensais-je, un de ces coups détournés que la presse incrédule aime tant à nous lancer. Je ne sais pas trop, soit dit en passant, si en matière de sainteté, l'opinion des journalistes mérite une grande confiance. En tout cas, j'imagine que ces messieurs auraient longtemps à chercher dans leur rang avant de pouvoir nous montrer un saint. Quoi qu'il en soit, au dire de l'un d'entre eux, le vil criminel dont je viens de parler avait un air de haute sainteté. Et il va sans dire que ces paroles étaient un trait dirigé contre tous les chrétiens, puisqu'elles semblaient donner à entendre que cet homme était un des leurs. Mais tout en protestant contre de semblables attaques, nous devons reconnaître, mes chers amis, que le monde a bien des sujets de mal parler de nous. Que de chrétiens de profession ne voit-on pas en effet tous les jours déshonorer le christianisme de la manière la plus grave Il s'accomplit des choses au nom de Jésus-Christ qu'il serait honteux de faire, je ne crains pas de le dire, au nom de Belzébul. Il y a des actes si abominables commis par des gens qui se disent membres de l'Église de Dieu qu'en vérité je me demande si les démons eux-mêmes n'en rougiraient point. Oui, les gens du dehors ont eu de graves motifs pour attaquer l'Église. Enfants de Dieu, Soyez donc sur vos gardes. Le monde a un œil de lynx. Quoi que vous fassiez, il apercevra vos chutes. Bien plus, il les grossira. Et s'il ne peut vous surprendre en faute, il aura recours à la calomnie. Mais puisque vous ne pouvez espérer d'échapper à sa malice, efforcez-vous du moins de ne point y donner prise. Que vos vêtements soient blancs tout temps. Marchez dans la crainte de l'Éternel et que la prière du psalmiste devienne votre prière de chaque jour. Soutiens-moi et je serai en sûreté. Enfin, j'ai à vous présenter un dernier argument qui ne peut manquer, ce me semble, de toucher vos cœurs et de vous inspirer une haine profonde à l'égard du péché. Vous avez un ami, le meilleur ami que vous avez jamais eu. Je le connais, je l'ai aimé, il m'a aimé. Un jour que j'irai seul et pensif dans la campagne, je me trouvais tout à coup dans un endroit qui restera pour toujours gravé dans mon souvenir, car là je vis cet ami. Mon meilleur, mon unique ami, étendu mort à mes pieds. Le cœur plein d'un douloureux effroi, je me baissais et le regardais. Il avait été lâchement assassiné. Je vis que ses mains et ses pieds avaient été percés de clous. Sur son visage, glacé par la mort, était empreinte une angoisse si terrible que je pouvais à peine en supporter la vue. Son corps était amaigri par le jeûne, son dos était sillonné de plaies sanglantes. Une ligne de blessure saignait son front. Évidemment, de cruelles épines l'avaient meurtri. Je frémis d'indignation, car je savais tout ce que valait cet ami. Jamais il ne s'était trouvé aucun mal en lui. Il était pur parmi les purs, saint parmi les saints. Qui donc avait osé lever la main sur lui Il n'avait jamais nué à personne. Pendant toute sa vie, il était allé de lieu en lieu en faisant le bien. Il avait guéri les malades, rassasié les affamés, ressuscité les morts. Pour laquelle de ses œuvres lui avait-on ôté la vie Son existence tout entière n'avait été qu'amour. Et tout en considérant ce pâle et morne visage, si plein à la fois de poignantes douleurs et d'ineffable amour, je me demandais avec étonnement quels pouvaient être les misérables assez vils pour avoir osé le frapper. Où demeurent ces traîtres m'écriai-je. Qui me dira où je pourrai les trouver où se cachent-ils les infâmes qui ont percé les mains d'un être tel que celui-là Eussent-ils mis à mort un tyran On aurait pu leur pardonner. Eussent-ils tué un de ces êtres dégradés qui se plongent dans le vice et l'infamie On aurait pu avoir quelque indulgence pour leur forfait. Eussent-ils choisi pour leur victime un meurtrier, un rebelle, un conspirateur On aurait pu dire ⁇ enterrez son corps ⁇ justice a été faite. Mais lorsque tu fus mis à mort, toi, mon plus cher, mon unique ami, Oh quel attentat, quel crime sans pareil. Où sont-ils les monstres qui ont fait couler ton sang? Que ne puis-je m'emparer d'eux et leur faire expier leur forfait? Oh quelle jalousie, quelle indignation, quelle colère je ressentais. Mais voici, comme je me penchais de nouveau sur ce corps inanimé, un bruit de pas frappe mon oreille. Étonné, je me relève, j'écoute, le même bruit se fait entendre. Plus de doute, le meurtrier est prêt. J'avançais en tâtonnant car il faisait sombre, espérant à tout moment mettre la main sur le traître. Mais chose étrange, quoique je distinguasse toujours le son des pas, de quelque côté que j'étendisse la main, je ne rencontrai que le vide. Alors la vérité se fit jour dans mon âme, mes yeux se dissillèrent et, plaçant la main sur ma propre poitrine, ah, je te tiens enfin! M'écriai-je avec amertume, car je venais de découvrir, hélas, que le meurtrier était dans mon cœur, qu'il habitait les replis. Les plus secrets de mon être. Oh alors, comme je pleurais, comme je me frappais la poitrine en contemplant les restes sanglants de mon maître, et en songeant que son bourreau c'était moi, c'était mon péché. Quel remords Quelle profonde componction n'éprouvais-je pas lorsque agenouillé près de son corps, je chantais cet hymne plaintive. Ô oh, Jésus, mon ami fidèle, c'est moi qui te brisais le cœur, c'est moi qui, d'une main cruelle, perçais la main de mon Sauveur. Vengeance, vengeance, ô vous tous qui craignez l'Éternel et qui aimez son nom, vengez-vous du péché et haïssez le mal. Et maintenant, mes chers auditeurs, je désire vous donner quelques avis relativement à cette lutte constante que le chrétien est appelé à soutenir contre le mal. Il s'agit, vous le savez, de faire mourir en nous le vieil homme et ses convoitises. Mais quels moyens employer pour atteindre ce but Voici le glaive de la loi. Aurons-nous recours à lui Hélas, les coups de Moïse seront toujours impuissants pour mettre à mort le péché. La loi et ses erreur, bien loin d'amolir l'âme, ne font en général que l'endurcir. J'ai souvent essayé pour ma part de triompher du péché en pensant au châtiment qui en est la suite. Mais je déclare que cette considération n'a pu que très rarement m'arrêter dans la voie du mal. Je suis persuadé que les menaces de la loi, toutes formidables qu'elles sont, ne possèdent que fort peu de puissance pour dompter le cœur et le faire renoncer à ses convoitises. Il y a plus. J'affirme que trop souvent ces menaces ont pour effet de cautériser la conscience et que le pécheur finit par trouver je ne sais quelle âpre volupté à braver le châtiment. Aussi ne conseillerais-je jamais à une âme qui désire être délivrée de ses péchés de méditer continuellement sur la peine qui leur est due qu'elle essaie plutôt d'une autre méthode, qu'elle aille s'asseoir au pied de la croix et qu'elle puisse, dans la contemplation du sacrifice expiatoire que Christ a accompli pour elle, une repentance selon l'Évangile. Je ne connais point d'autre remède contre le péché qu'une communion habituelle avec Jésus. Vivez avec lui, et il vous sera impossible de vivre avec le mal. Quoi Mon Seigneur Jésus, se pourrait-il que je me prosternasse au pied de l'arbre maudit que je vise ton sang couler goutte à goutte pour expier mes transgressions et qu'ensuite j'alasse de nouveau me plonger dans l'iniquité? Hélas, oui, cela se pourrait, car il n'est aucune énormité dont une créature aussi vile que moi ne soit capable. Toutefois, s'il est un moyen par lequel je puisse arriver à surmonter les tentations, s'il est une entrave que je puisse opposer efficacement dans mon âme au courant fatal du péché, c'est de me nourrir constamment de cette pensée. Jésus a vécu, et il est mort pour moi. Un second avis que je vous donnerai est celui-ci. Si vous voulez combattre victorieusement le péché, ne craignez point que le grand jour règne dans votre cœur. Quand la ménagère nettoie sa maison, si les rideaux sont baissés, elle croit que tout est propre autour d'elle. Mais si elle entr'ouvre la fenêtre et qu'un rayon de soleil se glisse dans la chambre, aussitôt elle voit dix mille grains de poussière tourbillonner ça et là. Ah, pense alors la maîtresse du logis, ma chambre n'est point aussi propre que je l'imaginais. Voici de la poussière que je n'avais pas vue, et elle se remet au travail avec une nouvelle ardeur. Faites de même, mes bien-aimés. Ne vous contentez pas d'être éclairés par le misérable lumignon de votre propre jugement, mais ouvrez votre cœur au brillant soleil du Saint-Esprit, afin qu'à sa vive lumière vous puissiez découvrir tous vos péchés. Souvenez-vous qu'un péché connu est un péché à moitié vaincu. Recherchez donc le grand jour et faites en sorte qu'aucune des tâches de votre âme ne reste dans l'ombre. Observons en outre que celui qui désire être débarrassé du mal ne doit pas se borner à le contenir dans certaines limites, mais qu'il doit aspirer à ce que le Saint-Esprit l'extirpe entièrement de son cœur. Vous savez que les simples moralistes s'efforcent de réprimer leurs passions, Absolument comme on interrompt le cours d'une rivière à l'aide de digues et de chaussées. L'eau est refoulée pendant quelque temps. Il est vrai, mais elle grossit, grossit toujours, jusqu'à ce qu'enfin elle déborde avec furie. Je le répète, ne vous bornez pas à comprimer votre corruption naturelle, car quoique vaincue en apparence, elle pourrait tout à coup éclater avec une nouvelle force. Mais plutôt demandez à Dieu de la tarir dans sa source. Quoique, hélas. De ce côté-ci de la tombe, le lit de ce torrent dévastateur qui a non le péché, restera toujours creusé dans votre âme. Cependant, le torrent lui-même peut être desséché, comme les eaux de l'Euphrate, devant la face de l'Éternel notre Dieu. Un autre conseil lorsque vous avez commis une faute quelconque, confessez-la à Dieu tout d'abord. Puis, que cette faute vous porte à vous examiner vous-même et à rechercher tous vos autres manquements. Jamais David n'écrivit une confession aussi humble et aussi complète de ses transgressions qu'après sa lourde et mémorable chute. Ce fut pour lui une occasion de sonder son cœur, et ayant reconnu à quel point ce cœur était vil, corrompu, misérable, il exhala ses sentiments d'humiliation en faisant un aveu général de ses iniquités. Quand tu découvres un péché en toi, mon cher auditeur, sois sûr que d'autres ne sont pas loin. Car Satan n'envoie jamais ses émissaires que par bande. Quand donc tu t'approcheras de Dieu pour lui confesser un péché spécial, n'oublie point de dérouler en même temps devant lui toutes les misères de ton âme, et tandis que tu regardes principalement à celui-ci, aie soin d'avoir aussi l'œil ouvert sur celle-là. Ne te contente pas de terrasser une convoitise ou une tentation, mais force-toi de blesser mortellement tous tes péchés et de les mettre en déroute. C'est ici le lieu d'observer qu'il est certains péchés par lesquels, le chrétien se laissera sûrement séduire, à moins qu'il n'ait le soin de les dépouiller de leur déguisement. Quelquefois le mal se présentera à vous enveloppé dans une belle robe, comme le lingot d'or dérobé par Akan. Déployez cette riche enveloppe et vous verrez l'interdit qui était caché. D'autres fois, comme dans le cas du roi Saül, il se déguisera habilement en respect pour le Seigneur et en zèle pour son service. Mais arrachez-lui son masque et vous reconnaîtrez qu'aux yeux de Dieu la résistance est autant que les idoles et la rébellion autant que le sortilège. Le péché fait comme Jézabel, il loin sa tête et farde son visage afin de trouver grâce auprès de nous. Que dis-je Il se déguise parfois en ange de lumière. Chrétien, ne te laisse point prendre à ses artifices, démasque-le, vois sa laideur. Contemple sa difformité, méprise le salaire que peut-être il fait briller à tes yeux, dépouille-le de ses appâts trompeurs, et lorsqu'il t'apparaîtra dans toute sa hideuse nudité, tu auras moins de peine à te défendre contre lui. Un mot encore à mes frères en la foi. Dans vos moments de plus haute spiritualité, de plus intime communion avec Dieu, leur dirai-je, essayez de vous faire une juste idée de toute l'énormité du péché. Ce n'est point lorsque vous êtes dans un état de relâchement et d'infidélité que vous pouvez juger sainement le mal. Un plongeur pourrait avoir mille tonnes d'eau au-dessus de sa tête, qu'il n'en sentirait pas le poids, parce que l'eau l'environne, mais qu'il revienne à terre et qu'on lui mette seulement quelques seaux d'eau sur les épaules, et il en sera écrasé. De même, si vous êtes pour ainsi dire plongé dans le péché, vous ne sauriez en sentir le poids, mais quand vous serez sorti de cet élément impur, que le sang de l'aspersion aura purifié votre âme et que l'esprit de sainteté vous aura relevé de votre chute, alors, efforcez-vous de réaliser le poids énorme de votre culpabilité. Cela vous aidera à haïr et à surmonter le mal. À l'égard de péchés d'une certaine nature, le meilleur conseil que je puisse vous donner est celui-ci. Si vous voulez les vaincre, fuyez-les. Les convoitises de la chair, entre autres, ne doivent jamais être combattues, si ce n'est à la manière de Joseph. Or, vous savez ce que fit Joseph Il s'enfuit. Un célèbre philosophe met dans la bouche de Mentor ces mots bien connus Fuis, fuis, fui, Ténémac, tu n'as d'autre salut que dans la fuite. À mon tour, je te dirai, mon cher auditeur, fuis, fuis, car dans le cas particulier qui nous occupe, la fuite est le premier des devoirs. Les vrais soldats de la croix lutteront corps à corps avec tout autre péché, mais en présence de celui-ci, ils tournent le dos et s'enfuient, en sorte qu'ils sont plus que vainqueurs. Fuyez la fornication, a dit la sagesse divine. Si donc une tentation de ce genre t'assaille, ferme tes yeux, bouge tes oreilles et t'enfuis au plus vite, car tu ne seras en sûreté que lorsque tu seras loin. Enfin, vous qui aimez l'Éternel, si vous désirez être victorieux du mal, recherchez sans cesse une nouvelle onction du Saint-Esprit. Qu'un seul jour ne se passe pas sans que vous alliez puiser à la source des eaux vives la nouvelle mesure de grâce dont vous aurez besoin pour accomplir les devoirs de la vie active. Nous ne sommes jamais en sûreté qu'entre les mains du Seigneur. Il n'est pas un seul chrétien, si avancé qu'il soit dans la piété, ou si renommé qu'il puisse être par sa vigilance et son esprit de prière, non, je l'affirme, il n'est pas un seul chrétien dans le monde qui puisse subsister un seul jour sans faire de lourdes chutes, à moins que l'Esprit de Dieu ne soit son protecteur. Un ancien écrivain a dit excellemment, Ferme ton cœur tous les matins par la prière, et remets-en la clé à ton Père céleste, en sorte que rien n'y puisse entrer. Puis, le soir venu, ouvre-le et il s'en exhalera un doux parfum d'amour, de joie et de sainteté. Croyant, retiens bien ceci. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que tu peux triompher du péché. Une dernière remarque. Évitez les prédicateurs qui s'efforceraient en quelque manière d'excuser ou de pallier le mal. Évitez soigneusement aussi toute conversation et toute lecture qui tendrait à vous présenter les péchés des enfants de Dieu comme étant de peu d'importance. Je connais de soi-disant chrétiens qui parlent de leur chute, de leurs infidélités, de leurs transgressions comme s'ils en étaient fiers et qui semblent en vérité les considérer comme leurs expériences les plus bénies. Semblable à ce chien de la fable auquel on avait mis une cloche au cou parce qu'il était dangereux et qui paraissait en tirer vanité, ces personnes s'enorgueillissent de ce qui est leur confusion. Les orties sont de trop partout, mais nulle part elles ne sont plus mal placées qu'au milieu d'un parterre. De même, le péché est odieux partout, mais nulle part autant que chez le chrétien. Si en rentrant aujourd'hui dans vos demeures, vous voyez un enfant qui s'amusa à casser les vitres à coups de pierre, assurément, vous lui adresseriez des remontrances. Mais si le jeune coupable était votre propre fils, n'est-il pas vrai que vous le châtiriez sévèrement Justement parce qu'il est votre fils Ainsi agit le Seigneur à l'égard de son peuple. Quand les mondains font le mal, il les reprend. Mais quand ses enfants pêchent, il les frappe. Il ne fermera jamais les yeux sur les fautes de sa propre famille. Il ne les laissera point punis. Oh vous qui craignez l'Éternel, gardez-vous de tolérer le péché en vous-même, car Dieu lui ne le tolérera point. Haïssez le mal, car il le hait d'une parfaite haine. J'arrive à la seconde partie de mon sujet. Si le chrétien doit haïr le péché en lui-même, il doit aussi, avons-nous dit, le haïr chez les autres. Notez bien que je ne vous dis pas de haïr les autres, mais de haïr leurs péchés, ce qui est tout différent. Comme je me suis longuement étendu sur le premier point, je dois me borner à vous présenter sur celui-ci deux ou trois réflexions pratiques. Et d'abord, si vous haïssez le mal chez autrui, vous ne devez jamais le traiter légèrement, encore moins avoir l'air de l'approuver. Souvent, un chrétien fait plus de mal qu'il ne pense par un simple sourire. Un jeune homme a peut-être raconté devant vous quelques incidents plus ou moins scandaleux de sa vie. Vous étiez en chemin de fer ou dans un lieu public, par conséquent, vous ne pouviez éviter de l'entendre. Il a été fort spirituel et vous avez souri à ses traits d'esprit. Ce jeune homme vous connaît, il sait que vous faites profession de piété. Aussi pense-t-il avoir obtenu un beau triomphe. N'a-t-il pas réussi à faire rire un chrétien en lui parlant du péché Ou bien vous avez entendu des incrédules tenir des propos malséants, libres, profanes dans le secret de votre cœur, vous en avez été révolté. Ces discours ont blessé vos oreilles, mais vous êtes resté tranquillement à votre place, et les personnes présentes se sont dit entre elles Ah Voilà bien ces prétendus dévots. Avez-vous vu comme il écoutait Il ne perdait pas un mot de la conversation. Évidemment, il y prenait plaisir, et sur le champ, on place ces entretiens déshonnêtes sous le sceau de votre approbation. Oh, mes frères bien-aimés, je vous en supplie. Veillez sur vous-même à cet égard. Où que vous soyez, conduisez-vous de manière à faire comprendre à tous que non seulement vous n'aimez pas le péché, mais que vous l'avez en horreur. Que les mondains ne disent pas simplement à votre sujet ⁇ Ils semblent ne pas avoir de goût pour nos entretiens et nos plaisirs, mais qu'ils sachent positivement que vous les détestez, que vous les haïssez, que vous n'avez ni sourire, ni indulgence pour le mal, mais seulement de l'indignation. ⁇ au siècle dernier, il était de bon ton de se livrer à certains vices qu'aujourd'hui nous regardons avec dégoût. Et dans cent ans, je l'espère, des actes dont on n'a pas honte aujourd'hui seront flétris par l'opinion publique comme étant souverainement odieux et méprisables. Mais en attendant, montrez que vous du moins, enfant de Dieu, vous n'excusez aucun péché et que vous ne traitez légèrement aucune violation de la loi divine. Mais là ne se borne pas votre devoir. Lorsque vous y serez appelé, et cela peut arriver très souvent, ne manquez pas de protester ouvertement contre le mal. Un silence coupable vous fait participer en quelque mesure aux mauvaises actions des pécheurs. Si un soir, en rentrant chez moi, je voyais un malfaiteur forcer votre maison, et qu'au lieu de donner l'alarme, je m'esquivasse tout doucement, laissant le voleur exécuter en paix ses coupables desseins, ne serais-je point en quelque sorte complice de son crime De même, si vous trouvant dans une société où il se tient de mauvais discours et où l'on blasphème le nom de Christ, vous ne dites pas un mot en faveur de votre maître, je vous le demande, ne commettez-vous pas un péché des plus graves Et par votre silence, ne devenez-vous pas en réalité complice des blasphémateurs Croyant qu'une telle lâcheté ne soit point la vôtre. Parlez hardiment pour votre Seigneur et Maître. Peut-être le monde vous traitera-t-il de puritain. Mais qu'importe, je vous prie. C'est un grand et beau nom que celui-là. Honneur à ceux qui le méritent. Peut-être dira-t-on que votre piété est trop rigide. Et qu'importe encore. Il est fort heureux en vérité qu'il y ait des chrétiens trop rigides quand il y en a tant de trop relâchés. Il se peut aussi que les mondains ne vous reçoivent plus dans leur société. Mais tout bien compté. Au lieu d'être une perte, ne serait-ce pas un grand gain pour vous Et quand même, on vous calomnierait, mes bien-aimés. Quand même, on vous abreuverait d'injures et d'outrages. Ne savez-vous pas que nous devons nous réjouir et tressaillir de joie lorsqu'on dira faussement contre nous toutes sortes de mal à cause du Fils de l'homme Arrière donc toute lâche timidité. Quand nous devons parler, parlons hardiment et forçons le péché à rougir en notre présence. Mais cette protestation ouverte et publique ne suffit pas. Nous devons aussi, quand l'occasion s'en présente, avertir en particulier le pécheur. On m'a raconté dernièrement un fait, bien digne de l'imitation de tous les chrétiens. Un homme pieux qui se trouvait dans un établissement public entendit un étranger prendre le nom de Dieu en vain. Aussitôt, il va l'accoster et lui demande poliment s'il pourrait lui dire quelques mots en particulier. Certainement, répond l'étranger. Passons dans cette salle. Dès qu'ils furent seuls, l'homme pieux dit à l'autre J'ai remarqué avec peine, cher monsieur, que vous prenez le saint nom de Dieu en vain. Je suis assuré à l'avance que vous excuserez mes remarques sur ce sujet. Je n'ai pas voulu les faire en présence de témoins, mais je tiens à vous dire que c'est un grand péché de prononcer ainsi le nom du Seigneur à la légère et que certainement il ne peut vous en arriver que du mal. Ne pourriez-vous pas dorénavant renoncer à cette coupable habitude L'avertissement fut reçu avec reconnaissance. L'étranger remercia son interlocuteur, parla de sa première éducation qui avait été fort défectueuse et exprima l'espoir que cette leçon lui serait utile. Ne pensez-vous pas, mes frères, que si nous agissions tous comme le digne chrétien dont je viens de parler, nous pourrions faire beaucoup de bien Et ne croyez-vous pas qu'en négligeant le devoir de la répréhension individuelle, nous laissons échapper de précieuses occasions de témoigner notre haine contre le péché ah, si nous étions plus fidèles, Satan trouverait en nous de plus rudes adversaires, et partout où nous le découvririons, nous serions trop heureux de l'assaillir de nos traits. Mais avant tout, mes chers amis, n'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre partie de ce discours, que si vous haïssez le mal chez les autres, vous devez prendre garde de ne point le chérir en vous-même car à quoi bon, je le demande, signaler au prochain la paille qui est dans son œil, tandis qu'on a soi-même une poutre dans le sien Vous connaissez le vieux proverbe ⁇ Médecin guéris-toi toi-même ⁇ Commencez tout d'abord par vous guérir de vos propres infirmités, après quoi vous pourrez chercher, tant qu'il vous plaira, à guérir les infirmités d'autrui. Reprenez votre prochain, rien de mieux, mais forcez-vous auparavant de régler votre conduite d'après la loi de l'Évangile. Et maintenant, mes frères bien-aimés, vous tous qui aimez le Sauveur, laissez-moi vous exhorter en terminant à former contre le mal une sainte alliance et à travailler d'un commun accord au renversement de son empire. Pour cela, joignez-vous de cœur et de main à tout homme, sous quelque dénomination qu'il se range, qui est et combat le péché. Encouragez toute société qui, d'une manière ou d'une autre, s'efforce de faire du bien. Que ce programme soit le vôtre. Ne rien élever que Christ, ne rien abaisser que le mal. Aidez tous chrétiens répandus sur tout le globe, mais pour ma part, je crois en vérité que les 120 disciples réunis dans la chambre haute de Jérusalem le jour de la première Pentecôte valaient plus à eux seuls que la totalité des chrétiens de nos jours. Oui, je dis ceci très sérieusement. Je crois que dans ces 120 personnes, il y avait plus de 100 divins et d'ardeur chrétienne qu'il n'y en a chez 120 millions de pauvres créatures lâches et dégénérées telles que nous. Ah, qui nous rendra les jours bénis de la primitive Église Alors chaque chrétien était un missionnaire. Les femmes ne prêchaient pas, il est vrai, mais elles faisaient mieux. Elles vivaient l'Évangile. Les hommes, eux, l'annonçaient en temps et hors de temps. Ils ne se déchargeaient pas comme vous de ce soin sur leur conducteur spirituel et ne se bornaient pas à servir Dieu par procuration. Ils n'établissaient pas des diacres afin de leur laisser faire toute l'œuvre de Dieu pendant qu'eux-mêmes se croisaient les bras. Ils ne choisissaient point dans leur nombre, comme cela se pratique aujourd'hui, un ou deux combattants qu'ils plaçaient au plus fort de la mêlée, laissant les autres se reposer pendant la lutte et puis se partager les dépouilles. Oh non. Tous les soldats de Christ marchaient au combat. Chacun faisait son devoir, et grande était la victoire. À l'œuvre donc, chrétiens, mes frères bien-aimés, à l'œuvre en tout temps, à l'œuvre jusqu'au dernier. Ô Esprit du Dieu vivant, viens embraser les cœurs en sorte que tous les soldats de la croix, pleins d'un saint zèle pour ton service, s'élancent à la victoire. Quand les enfants de Sion sentiront la responsabilité qui pèse sur chacun d'eux, alors viendra pour elle le jour du triomphe. Alors les murs de Jéricho s'écrouleront, et à tout soldat du Dieu vivant sera donnée la couronne des vainqueurs. Ô oh, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, dès maintenant et à jamais.